précédemment dans streaming. Vu le nombre de candidatures, monsieur le directeur a préféré vous départager grâce à un concours. Non, je vois pas. C'est déjà un exploit que tu sois pris pour le concours, je pense, hein. Respire. Tu connais les réponses. Tu as de l'imagination. Et t'as envie de pisser. Merde. Monsieur de Troyes. Monsieur de Troyes. Hein? Quoi? Déjà? Hein? Ah oui, pardon, désolé, c'est à moi je suppose. Non, non, je vais faire passer mademoiselle avant. C'est-à-dire qu'enfin... Ah, question bête, réponse bête. Oui, ok, désolé. Bon. Allez-y, asseyez-vous. Bien, vous allez passer deux épreuves. Une orale porte sur la connaissance de la chaîne. Et l'autre écrite, où vous devrez préparer un scénario. Avez-vous des questions? Mais c'est moi qui dois vous interroger? Non, je voulais simplement savoir si vous vouliez avoir plus d'explications avant que nous commencions. Ah! Non. Bien. Pouvez-vous me donner la date exacte de la première vidéo de la chaîne? Le 17 février 2015... Non, ça c'est la date de création. Non, c'est pas ça. Si, j'ai! Le 26 avril 2015, c'était le commencement, pour être exact. Bien! Le nom du personnage principal des FBA 3. C'était... C'était une voyelle, je crois. Un O? Oui, c'est ça! C'est bon, je l'ai! C'était Owen, de mémoire. Et puis, il y avait Julie aussi. Très bien! Un SDF demandant de l'argent aux passants. Du GHB. Le sommeil! Henri et Valentin. 5. Ah, Ornicard. Tu es quelqu'un! Un sécateur? Le 26. Oui, le 26 août 2016. Combien d'abonnés possède la chaîne actuellement? Oula! C'est la dernière question, ça, je le sens. Faut pas que je me plante. Alors, réfléchissons. Ils avaient 20 millions, je crois, en janvier. Depuis le temps, ça a sûrement dû augmenter. Ah, faut pas que je me plante. Ouais, ça doit être ça. Ouais, allez, je me lance. Je dirais... 21 millions. Très bien, je peux déjà vous dire que cette première épreuve est déjà très concluante. Si vous voulez bien me suivre? Non. Mais non, je plaisante. On va où? Pour la seconde épreuve, vous serez ici, au studio même. Mais c'est ici qu'on faisait tourner la soirée de trop, la 4 et 6? Oui, entre autres. D'accord, pas mal. Tenez, venez vous installer ici. Ok. Alors, ici, vous avez les instructions, ici, vous avez le papier, et là, le crayon pour écrire. Un crayon pour écrire. Merci, Captain Obvious. Effectivement, si on aurait été dans une vidéo, le clip serait apparu. Ouais, mais c'est pas le cas, on n'est pas dans une vidéo. Je suis pas dans la merde. Alors, comment ça s'est... Ouh, t'as une tête d'enterrement. Ça s'est si bien passé que ça? Complètement. Bah, t'as écrit quoi? Non, mais de la merde. Ouais, mais quoi comme merde? Bah, un truc avec des gens qui dansent bizarrement et des SDF qui arnaquent des... Enfin bref, de la grosse merde. Mais tu rigoles? Mais le patron va adorer. Avec des textes comme ça, tu peux que nous taper dans l'œil. Vraiment, il aime les trucs bizarres. Parce que des mecs qui cherchent un Icar, tu trouves pas ça bizarre, toi? Ouais. Ouais, t'as peut-être raison, ouais. Bon, on y va, oui? Oh, ça va, on a le temps. La fin du monde n'est pas pour la semaine prochaine, hein. Ne parle pas trop vite, jeune innocent. Tu pourrais être surpris.